pilote professionnel moto. J'ai été champion de France plusieurs fois, champion du monde d'endurance en 1981. Je dispute à l'heure actuelle les Grands Prix 500 dans le team Sonoto Yamaha Gauloise. Je suis à l'heure actuelle quatrième au championnat du monde 500. Et je suis là pour vous donner quelques conseils sur la sécurité moto. Toujours être bien équipé. Je crois qu'il est très utile de porter toujours un casque, toujours des gants, toujours si on peut un blouson de cuir, même s'il fait très chaud des fois et qu'on supporte mal. Je crois que ça c'est absolument d'usage. Vous êtes bien placé, vous savez que des accidents, vous allez tous les jours en voir sur les routes. Donc, vous devez montrer, je pense, l'exemple, car si on vous voit faire des imprudences, les gens diront après, si eux font des imprudences, c'est qu'on peut le faire. Alors que vous, votre rôle est à la fois de prévoir et aussi de montrer cet exemple. Maintenant, mes chers amis pompiers de Paris, de la ville de Paris, comme d'ailleurs tous les pompiers de France, ça, je crois que vous êtes une grande famille, ça se ressemble à la moto, on est une grande famille, dans la moto, on s'aide, on s'entraide tous. Je vous souhaite bonne route et puis que cela ne vous empêche pas de faire de la moto, mais de la moto en sécurité, de la moto toujours faire attention aux autres, toujours être bien équipé. Je me présente, je suis le caporal Griffaut. J'ai servi la BSPP de 1968 jusqu'à 1980, date de mon accident. Et je suis encore en activité, enfin soi-disant activité, jusqu'en mai 83. J'ai eu un grave accident de moto, et je me suis retrouvé paraplégique, médicalement parlé, et en fauteuil roulant à vie, suite à une fracture de la colonne vertébrale avec coupure de la moelle épinière.